Coucou à tous, alors, là j'ai fait un peu ma fashion victime, la carreau du granit, elle est bleue, alors j'ai fait un combo bleu, on est passé donc sur un JX Waterproof, 23 kg, bleu, on a mis le moteur du Trasas Max, donc le Villinéon 3670 2400 kV contre 2000. Je vous rappelle pour le petit moteur qui non pas qui ne faisait pas l'affaire, ça pouvait emmener les 3,5 kg de la machine, mais je pense que ça aura chauffé. Là on est vraiment bien avec un moteur de ce diamètre là pour une voiture de ce style là. Le 3650 c'est vraiment réservé plutôt pour les 1 à 2 kg quoi. Ensuite, comme c'est un moteur qui a un axe de 5, le plus petit pignon qu'on est en 48 DP, c'est un 18. Donc là, on est en 2400 kV, pignon 18. Donc normalement, on est bien plus rapide que la dernière fois, ce qui pourra donner à Simon une marge de progression plus importante. Après, on pourra augmenter encore le pignon, on pourra passer en 3S éventuellement. Et puis, on a utilisé le célèbre HM 120 ampères, la petite chinoiserie à 10 €. Je vous le recommande avec des précautions. Il faut bien prendre la carte de prog, il faut bien aller dans la playlist Amani voir la programmation via la carte de programmation, et une fois, et vous faites ça avant de faire votre premier roulage, sinon vous risquez de tout cramer. Donc je vais tout vous mettre dans la description, le lien vers le combo, enfin vers le variateur, le lien sur la vidéo YouTube de Mani. Et puis là, on va aller faire notre petit circuit confiné, mais déconfiné, mais voilà. Histoire de voir un peu la différence entre les deux configs. Allez, à tout de suite. Ah, tu les as les 50, hein. Là, tu peux les avoir quand même. Ah, on a fait. Et en fait il est comme c'est un vario comme dit qui est alors là, ça cause un peu plus tard. Il y a un vario qui est pour les triches. Il est très souple sur la tout vient pas immédiatement, il y a un petit temps de latence. C'est le punch, hein, pour l'instant le punch n'est pas au max. Non, le ZF on est bien. Hein. Même moi là, je pense que ouais, sur le circuit. Oula. Par contre, c'est vrai que c'est un MT, hein, ça tombe pas terrible non plus. Hein. Ouais, c'est ça, un petit punch. Tu remets. Oubla. Oh. Écoute, il est pas mal. Enfin, même pour moi là. Même moi là, il est intéressant de tout. Tu vois. Non, écoute, ça c'est rouge, c'est son aussi, ça vient vu les bunnes qu'il a eu. Il y a les biellettes. Ouf. Oula, ça va?
Il atterrit sur la bosse pour le nez parce que là où il atterrit c'est plus haut que là où il part, forcément. Ah, elle bosse bien. Et puis une petite batterie de bat là. Après c'est à toi hein. Après c'est à toi nounouille hein. Oh boum. Allez, attends, monsieur. Quoi? Tu veux nouveau? Oui. Non? Allez, à toi. Ciao, ciao. Viens là, chouchou. Tiens. Tiens, Bouki. Tu te rappelles, hein? Les doigts sur la gâchette et les mains sur le volant. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, boum. Allez, recule. Voilà, impeccable. Allez, on évite le trou, le mur. Voilà, parfait. Tourne, boum, recule. Voilà, allez, tourne. Voilà. Comme tu veux. Hop, recule, tourne. Demi-tour, tourne. Voilà, très bien. Non, c'était très bien comme ça. Pareil. Vas-y, recule. Oup, oup, là, c'est pareil. Alors, là, on a fait un bon petit quart d'heure. C'est tiède, tout est tiède, on a fait froid dehors, Mario tiède, le cerveau tiède, le moteur est tiède, donc tout va bien là-dedans, la lipo est tiède aussi, tout va bien, c'est parfait, donc on va plus la toucher avant un petit moment celle-là, ça je vous le promets, puis vous allez la voir dans les mains de Simon, et j'espère longtemps évoluer à sa vitesse, à son rythme, vous avez vu qu'il y a un peu de taf quand même, allez ciao